Eh bien salut tout le monde, c'est moi Premix et nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de troll avec les modes menus. Ah là là, les trolls avec les modes menus. Ah, vous allez passer un bon week-end grâce à moi les gars. Alors, une nouvelle aventure aujourd'hui. Voilà, une nouvelle aventure que j'ai inventé, une nouvelle histoire. Moment à passer, prenez un coca, posez-vous. Prenez quelque chose à bouffer, posez-vous et regardez ma vidéo les gars. Alors aujourd'hui la vidéo de troll, c'est très cool. J'ai fait croire à un gamin qu'on pouvait voler des œufs des aliens, les œufs des aliens, et les revendre à l'unité, 1 million, à 10 millions d'unités, voilà. Et le gamin, il est parti voler les œufs de l'alien, et puis, je vais pas vous raconter, les gars, vous allez voir la suite, et c'est sûr qu'il va avoir des malédictions s'il vole des œufs de l'alien, ça se fait pas ça, les gars! Donc, je pense que vous allez surkiffer, les gars. Franchement, vous allez surkiffer, moi je vous dis. Donc, je vous présente l'alien, monsieur Poteau. Bonjour, monsieur l'alien. Et voici ses œufs. Alors, je remercie monsieur l'alien d'avoir participé à ce caméra caché. Je remercie, il nous a prêté ses œufs. Alors, donc les gars, sur ce, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Alors, les personnes qui vont liker cette vidéo, ce sont les PGM, ce sont des PGM de la chaîne d'iProMX, ce sont des vrais. Merci à toi en tout cas d'avoir liké cette vidéo, mec. Et sur ce, les gars, je vous dis bon visionnage, à la prochaine, à demain pour d'autres nouvelles vidéos, et ciao! Est-ce que t'as... Comment tu veux? J'arrive pas, moi j'arrive pas à avoir un garage. Je suis sur internet et tout, je cherche un garage. Écoute, t'inquiète pas, je vais t'apprendre tout. Ok, okay. Viens, monte avec moi. Ok, mais comment tu vas dégager? Non, je t'emmène. Vas-y. Alors, mec, ça fait combien de temps que tu joues à GTA 5? Pas longtemps, mais en plus, j'ai tout recommencé à GTA en ligne. Je suis au niveau 7. Et toi, c'est au niveau 7. Est-ce que tu connais le glitch, la grotte secrète sur GTA 5? Quoi? La grotte. Est-ce que tu connais la grotte magique? Non, je la connais pas. Non, t'es pas sérieux. Moi je connais pas ça, je viens de commencer GTA. Mais enfin, sur GTA 5, il y a une grotte magique. Il y aura... Oui, il y a des aliens. Il faudra faire comme les Indiens. Faire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment on fait? Attends, je vais te montrer, t'inquiète. Mais il faudra bien respecter ce que je te dis, mec. Alors tout d'abord, mec, il faut pas avoir peur, parce que ici ça fait un peu peur, hein. Il se passe beaucoup de choses anormales ici. Ah vous? Il y a des aliens. Ah ouais, c'est à l'orage. Il y a des aliens aussi. T'as vu? Silence, il y a aussi des aliens aussi. Attends, deux secondes, mec, il y a mon téléphone qui sonne. Ah oui. Je suis là, désolé. Excuse-moi. C'est bon, ouais. T'es toujours là? Ouais. Et des indiens, voilà. C'est bon? Oui, c'est pas des... En fait, oui, en fait, il faudra faire des bruits des Indiens. Et... On va où? Viens, suis-moi. Est-ce que tu connaissais cet endroit? Viens. Ah, suis-moi, suis-moi là, descends dans l'eau. Ah, d'accord, ouais, je descends. Hop là. Là. Regarde, est-ce que tu connaissais cet endroit? Attends, je suis perdu. Voilà. Vous savez cet endroit? Pourquoi on ne traverse pas? Il y a de l'eau ici et il y a de l'eau qui rentre pas dedans, c'est magique. Tu vois? Comme je t'ai dit, il faudra venir ici. Ouais. Il faudra faire le bruit de l'Indien avec ta bouche. Fort, ok? Ouais. Mais tu fais avec ta bouche. Tu sais pas un Indien comment ça fait? Non. Ça fait quoi un Indien? Non. Mais je sais pas comment voilà. Faire, non mais il faut faire dans, il faut que c'est toi qui fais. Faut pas le jouer, il faut que c'est toi. Il faut que ça fait une, faut que les aliens t'entendent. Et après il y aura des œufs qui vont apparaître. Et c'est avec ces œufs qu'on va revendre et avoir des millions de dollars. Ok, mais tu peux le faire toi. Vas-y, fais-le et tu verras, il y aura des œufs qui vont apparaître. Dépêche, moi j'ai déjà fait, je peux plus refaire. J'ai déjà fait. Et il faut mais que tu fasses fort mec hein. Mais comme tu viens de faire là, tu fais fort, vas-y. Plusieurs fois, n'arrête pas, n'arrête pas!
Attends, fais-le au cas où, parce que moi je peux pas voir. Regarde, regarde, y'a un œuf qui est arrivé. Oh, ça va? Où? Fais plusieurs fois! Arrête pas, arrête pas! Ah ouais, je crois que c'est bon là. Mec, en fait, voilà. Je t'explique, écoute-moi, ok? Ça, c'est ouais. Les œufs des aliens. Là, ce qu'on va faire, on va voler les œufs des aliens et aller les revendre. Mais il faudra faire vite, ok? Parce que les aliens, ses parents vont venir nous chercher, vont venir nous tuer. La malédiction sera sur nous après, d'accord? Donc, okay. On va voler les œufs. Attends, bouge pas. Viens, mec, fais vite. Non, les œufs vont venir tout seuls. Il faudra que tu fais des bruits et les œufs vont se charger tout seuls. Viens à côté de moi. Là, tu refais le bruit à quand je te dis top. Rentre à l'intérieur du 4x4. Voilà. Et maintenant, tu refais les indiens et les œufs vont se charger tout seuls, mec. Ils viennent devant mon truc. Fais. Hein? Continue, les œufs vont se charger. Fais. Hein? Fais les bruits. Continue, faire le bruit. Tu vois les œufs là, tu vois? Hein? Ils sont venus dans le feu. Tu vois les. Allez, vas-y, continue. C'est bon, mec, c'est bon. On a 5 œufs, c'est bon. Ça va être suffisant. 5 œufs, ça fait 50 millions. Parfait. Pour aller quoi? Oui, là, on va les vendre. On va faire un truc et tu vas avoir 50 millions, mec. Oh là là, je vais te laisser pour toi. Je vais pas le faire, je vais te laisser, ok? Ouais. Mec, moi, je pourrais pas venir avec toi. Je pourrais pas venir avec toi parce que. Est-ce que j'ai déjà vendu les œufs et on peut faire ça qu'une seule fois dans GTA 5. C'est un truc caché. Donc tu vas les faire et moi je vais te guider par micro, ok? Je vais te dire où faut aller, ok? Je te mets le point. Attends, bouge pas, je vais te mettre le point. Mais mec, c'est cool, hein? Attends, monte, je t'emmène. Je t'emmène un bout, mais je pourrais pas venir avec toi quand on va arriver à côté. Mais je vais t'emmener un bout. Faut que tu fais vite, mec. Ok? Je compte sur toi, mec. Là, je vais aller dans mon appartement. Je vais aller t'observer dans la télé. Parce que dans l'appartement, on a la télé. On peut t'observer, on peut observer le joueur. Je vais te guider, ok? Allez, bonne chance, mec. Je compte sur toi. Merci. Est-ce que je peux aussi? Vite, hein, mec. Il fait vite parce que il y a les aliens qui vont t'attaquer après, mec. Hein. Ah bon? Oui, parce qu'on a volé les œufs de. Les œufs, c'est ces bébés, ça. C'est les bébés des aliens. C'est les œufs de l'alien. Donc fais vite, moi je me suis fait attraper une fois, mais bon. Tu peux pas faire ça dans GTA pas en ligne. Non, c'est que en ligne on peut faire ça, que en mode. En mode histoire on peut pas. Ah, parce qu'il y a un micro. Si les aliens m'attaquent, je fais quoi? Mais tu t'enfuis, mec, tu essayes de t'enfuir. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a le point bleu qui me gêne. Enfin, il y a le truc bleu qui me gêne. Ah, c'est bon. Le point bleu, il va encore me gêner. Je pense que en fait, je t'explique. Le père, il a fait des bébés avec la maman alien. Et la maman alien n'a pas voulu lui donner la garde des enfants. Donc l'alien, le papa de l'alien, c'est pour ça, c'est un easter egg, c'est un truc caché. Il cherche quelqu'un pour voler les œufs, pour venir le revendre. Enfin, pour venir lui donner les œufs. Et du coup, il va te donner de l'argent à la place. Mais il faut que tu fais attention, la maman de l'alien, il peut te elle voir. Pas, donc fais vite, elle mec. Veut pas voler. Elle veut pas que je vole les bébés. Mec, c'est bon, arrête-toi ici, l'alien va bientôt arriver là. Je sais quoi. Tu attends maintenant, tu descends du véhicule et tu me dis si tu vois une alien. Un alien. Ah ouais, mec, il faut faire le bruit, putain, je suis con. Appelle les aliens, fais le bruit de l'indien. Dépêche-toi vite. Ok.
Fais. Hein? Fort. Fais plus fort. Ça a marché? C'est un alien. Vas-y, sors, va le voir. C'est bon, il a une arme. Mais sors, va le parler. Va lui parler. Est-ce qu'il est... il regarde les yeux là? Oui. Bonjour alien, tu sais quoi? Comment je lui parle? Il faut que tu lui parles comme ça. Il entend, mais il peut pas parler, mais il t'entend. Bonjour petite alien. Je viens vous vendre les œufs à 50 000 euros. Un million. Alors voilà, c'est bien ce que tu as fait, mec. Est-ce qu'il va te payer? Pas encore. Oh, il m'a payé. Il te paye là? Oui. Mec, génial. Génial, génial. Mais non mec, si t'as ton argent, enfuis-toi. Enfuis-toi parce que la maman va bientôt arriver, il va te poursuivre là. Je m'en fais avec les œufs. Je sais pas moi, c'est peut-être pas une bonne idée, mais enfuis-toi. Du moment que t'as eu ton argent, vas-y, prends les œufs dans le camion. Prends le camion, c'est pas grave. Bah il va pas bien. J'espère qu'il va te rien te faire, reprends le camion, casse-toi. Du moment que t'as eu ton argent, casse-toi maintenant. Donc tu m'as rempli l'argent. Je crois que c'était pas une bonne idée ce que t'as fait. Ah, il tire avec des oiseaux de clair. Oh non, je suis tombé dans l'eau. Là, mec, je suis vraiment mort. Là, je suis vraiment mort. Là. Mec. Là, je vais vraiment mourir. Et je suis mort. Oula, la malédiction est sur toi, mec. La malédiction est sur toi, tu t'es enfui avec les œufs. Non, je suis tombé dans l'eau. Il m'a tué avec un bazooka. Mec, il fallait pas reprendre le camion avec les œufs. Tu l'as vendu, après tu reprends le camion. Mais c'est normal, il va t'attaquer là maintenant, mec. Oh, s'il te plaît. Ah, mais dégage toi, là, tu prends pour qui? Ah! S'il te plaît, tire là! C'est la malédiction est sur toi, quoi, mec? Où c'est bon, ça va? Tu vas? S'il te plaît, viens. Ne stresse pas! Ne stresse pas, mec, ne stresse pas! Essaie de t'enfuir, sors de cet endroit! Sors de cette forêt, de cette montagne, Vic, mec! Mais je peux pas, j'ai pas de voiture! Et je peux mourir! Oh, j'ai un œuf sur ma tête! Oh non mec, ne me dis pas que c'est pas vrai. Si. T'as un œuf sur la tête? Oui. Mec, c'est la malédiction. Mec, tu auras cet œuf toute ta vie, mec, donc essaie de sortir vite. Mais je sors où? Mec, je sais pas, mais franchement, tu me fais peur là, mec. Bah, on regarde ta propre télé. Oh non. Et que je deviens vert. Papa, mec, est-ce qu'il y a... Y a... S'il te plaît, oh non. Je suis pas bon. Casse-toi, mec. Casse-toi. Papa, il y a un vaisseau spatial. Dis à ton papa de t'aider. Dis à ton papa. Mec, essaie de t'enfuir. Je veux pas que tu meurs. Mais tu vas perdre tout ton argent. Tu vas perdre tout ton argent, mec. Oui, il faut que tu quittes vite cet endroit. Casse-toi, quitte cet endroit, mec. Tu peux venir, s'il te plaît, je vais mourir, moi. Mais je peux pas, je suis bloqué aussi, là. Le mec, il m'a bloqué. Qui? Ça. Mais c'est pas, il sait que je parle avec toi. La malédiction est sur toi, là. Mais c'est la maman qui est en train de me tuer ou je rêve? Je peux le tuer avec un coup de bazooka? Ah, j'ai plus de bazooka! Ah, il y a un chariot. Qu'est-ce qui se passe, mec? Oh, un chariot. C'est une cage! Oh, je suis pas bon. Allez chercher le beurre à l'ail. Qu'est-ce qui se passe? Attends, laisse le vaisseau atterrir, mec. Laisse le vaisseau atterrir. Ne cours pas, reste sur place. Peut-être le vaisseau, il va rien te faire. Mec, il va t'enlever. Mec, il va t'enlever. C'est quoi? Mec, il va te prendre tout ton argent, mec. Sors d'ici, casse-toi.
pas chercher le beurre à l'ail. Pas bon. Quoi, explore. T'as pas de lance-roquettes, mec, des lance-roquettes. J'ai pas d'armes. Mec, enfuis-toi, quitte la partie. Éteins ta play. Tu sors pas d'ici, va t'enlever tout ton argent. Là, il est en train de t'aspirer tout l'argent là. T'as vu? Ouais, oh mais non. Tu vois pas, mais après à un moment donné tu seras à zéro. J'aurai zéro? Oui, mais vite, fais quelque chose. Fais quelque chose, mec. Bon, ok, je fais quelque chose. Les aliens m'enlèvent. Oui, fais les bruits de l'Indien. Encore. Mec, oui. C'était une blague. C'était une blague. Voilà pourquoi c'est pour de vrai. Parce que je suis modeur. T'es c'est modeur? Moi qui t'ai fait cette blague. Ouais, regarde, je suis là à côté de toi. Ah ouais. Oh, c'est une blague. Cool. En fait, j'ai inventé. Je t'ai trollé en fait. Je t'ai fait une petite troll. Mais alors, il m'a donné de l'argent. Il m'a fait un... J'ai vu un alien. Je suis dans un vaisseau spatial. C'est tout ça, c'était pour deux fois. J'ai un œuf sur la tête. Ouais, c'était moi. Je t'ai mené en bateau depuis le début.